Le rêve de Jamel Ben Salah avec Hélène Le Fougerolles, qui est notre invitée ce soir. C'est un petit film indépendant qu'on a fait entre amis en 2-3 semaines. Et Alors, donc, tournage au Venezuela, en Louisiane, bien sûr, en France. Ouais. Et dangereux ce tournage, hein. Vous avez failli vous noyer, vous, sous une bâche. Ah, vous avez, ouais. Mais comment savez-vous ça, Thierry? Ah, c'est bien, ils sont gentils ce soir. Alors. C'est quand même le plus incroyable du monde. Quand Alors racontez cette noyade. Il y avait une scène où on devait passer sous un énorme boudin, on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière, on nous a dit vous apparaissez de l'autre côté et il y aura la caméra. Sauf que moi j'ai plongé et de l'autre côté c'était toujours noir, en plus c'était au Venezuela, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dans l'eau. Et donc je m'ouvrais les yeux mais c'était pas très... Et puis en fait, à un moment je suis remontée, j'ai une bâche en plastique collée sur le visage. Et moi j'ai paniqué, donc j'ai jeté tout mon air, j'ai perdu le sens de l'orientation, les garçons ont fait demi-tour et sont retournés de l'autre côté. Et moi j'ai eu peur. Et donc j'ai gratté. C'est terrible, c'est un cauchemar, de sentir la bâche au-dessus de soi comme ça. C'est terrible. Et donc j'ai réussi à trouver un trou, j'ai sorti ma tête. Voilà, Le plus insupportable, c'était sans doute les 4 mecs qui vous disaient sans arrêt, elle est bonne, putain, elle est bonne, non? Ouais, ils disaient pas elle est bonne, ils disaient je lui ventilerais bien les escalopes, je lui pèterais bien la lunette arrière. Voilà, le truc. Mais bon, on s'y fait. Hein. J'aimerais bien lui tutoyer le dindon. Ou alors lui rentrer les poils avec Laurent Dutch. Ce qui vous a manqué, c'est pas de copine, hein. Pas de copine là-bas, qu'avec des garçons. Ouais. Et puis Rominette qui était pas là. Ouais. Ça c'est chiant. Ouais, c'était dur. Ouais. C'est qui Rominette? Rominette, c'est ma chatte. Sans jeu de mots. Salut, peinard. Hop, annoncé, hop. C'était énorme.